Dans les collines de Galilée se trouvait une ville appelée Nazareth. Une petite ville toute simple aux maisons blanches, entourée de prairies qui au printemps se couvrent de fleurs. Il y a longtemps, une jeune fille appelée Marie vivait là. Elle était en âge de se marier et sa famille avait arrangé des noces avec un homme appelé Joseph. Une vie calme et agréable semblait promise à Marie. Mais voilà qu'un jour, un ange lui apparut. « La paix soit avec toi, dit l'ange. » Marie eut peur. Qui était ce visiteur extraordinaire et que signifiaient ces paroles ? « Ne crains rien, Marie, lui dit l'ange. Dieu t'a choisi pour être la mère d'un enfant que tu appelleras Jésus. » Marie ne comprenait rien. « Je ne suis pas mariée, comment pourrais-je avoir un enfant ?»« Dieu, lui, saura, » répondit l'ange. Il s'adressa ensuite à Joseph. « Ne crains pas de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle portera a été conçu par le Saint-Esprit de Dieu. Elle aura ce fils que tu appelleras Jésus. Il mènera les hommes sur le chemin que lui montrera Dieu pour qu'ils vivent honnêtes et vertueux. » Joseph et Marie acceptèrent le projet et partirent ensemble pour cette merveilleuse aventure. Thank you.
Le pays où vivaient Marie et Joseph faisait partie du vaste empire romain. À l'époque où Marie attendait son bébé, le terrible empereur Auguste ordonna un recensement. Tous les habitants de l'empire devaient s'inscrire auprès des autorités romaines. Ainsi, connaîtraient-ils le nombre exact d'habitants pour leur faire payer des impôts. L'empereur avait besoin d'argent pour ses armées, ses conquêtes et un mode de vie plutôt luxueux. L'édit indiquait que chacun devait s'inscrire dans la ville dont sa famille était originaire. Joseph se rendit donc à Nazareth en Galilée, à Bethléem en Judée, qui était la ville natale de ses ancêtres. Marie l'accompagnait. Ils traversèrent donc toute la région à l'aide d'un âne qui leur permettait de trouver le voyage moins pénible. Ce fut long. L'accouchement était proche. Parvenus à leur destination, ils ne purent se reposer. Toutes les chambres de la ville étaient occupées par des voyageurs venus pour le recensement. Marie était inquiète. « Je sais que le bébé doit naître très prochainement, » dit-elle. « J'ai besoin de me reposer, de m'allonger. » Ils durent se réfugier dans une étable. C'est là que le bébé naquit, un garçon, ainsi que l'avait annoncé l'ange. Marie enveloppa tendrement le bébé dans des langes et une couverture. Elle le berça et le plaça dans une mangeoire. Dans la nuit, sur les collines entourant Bethléem, de jeunes bergers veillaient sur leurs troupeaux. Assis en groupe pour se protéger contre le froid, tout en se tenant compagnie, ils étaient enroulés dans leurs manteaux. Soudain, la nuit s'emplit de beauté, d'une clarté lumineuse plus brillante que les étoiles et plus pure que la lune. Devant eux, l'étoile d'un ange de Dieu leur apparut. Les bergers reculèrent en tremblant, cherchant à se cacher parmi les rochers et les arbustes. L'ange leur parla. Sa voix était douce et joyeuse. « Ne craignez rien, je vous apporte une bonne nouvelle pour vous et toute l'humanité. Aujourd'hui, dans la cité de David, votre Sauveur est né, notre Dieu à tous, le Christ. »
La nouvelle s'était répandue comme un feu de paille. En Judée, en Galilée, à Jérusalem, en Palestine. Tout le peuple était au courant de la naissance de l'enfant. Des voyageurs venus d'Orient, des mages, se rendirent à Jérusalem. Ils se demandaient où était l'enfant qui deviendra le roi des Juifs. Ils avaient vu son étoile se lever à l'horizon, à l'est, et ils étaient venus pour l'adorer. Ils traversèrent les campagnes, les villes, ils rencontrèrent une multitude de gens qui étaient au courant de la naissance du Christ. Enfin, après un long et pénible voyage, l'un d'eux aperçut l'étoile qu'ils avaient vue depuis l'Orient. Ils avaient donc pris la bonne direction. Ils arrivèrent dans l'étable où étaient regroupés un grand nombre de gens qui étaient venus adorer l'enfant. Le premier s'approcha tout doucement et il déposa au pied de la mangeoire de l'or. Le second déposa l'encens. Enfin, le troisième déposa la myrrhe. Tous s'agenouillèrent autour de la mangeoire à la chaleur des animaux. Ils regardèrent l'enfant. Chacun, un à un, prit conscience que la naissance de Jésus allait changer le sens de notre vie.